Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Je sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, peut-être que ce sera un épisode plus court. Ça c'est plutôt chouette. J'ai du retard en tech diplomatique. Je pense que j'ai la majorité du commerce en Sibérie. La Transoxiane a aussi beaucoup, alors qu'elle a pas beaucoup de provinces. Après, j'ai pas tellement de provinces non plus. Elles ont peut-être beaucoup de Samarcande aussi, la Transoxiane. Moins que moi, mais pas de beaucoup. L'Afghanistan aura bientôt perdu. Senlis à Caradel. Allons siéger Caradel. Ouais, ils ont compris qu'ils avaient perdu. Il reste encore un peu de score à prendre, mais grosso modo, c'est fini. Quasiment plus de surexpansion, on pourrait faire la paix dès maintenant. On va faire une dernière revendication sur la Moscovie et après on va faire la paix. Bon, on a du mauvais cuivre. En vrai, je vois les événements arriver, donc si je voulais, je pourrais me payer des armées juste avant de déclencher l'événement en soi. C'est pas eux. En fait, j'aurais pas besoin d'aller jusqu'à Caradel. Des séparatistes. Combien de provinces j'ai? Moi, mon annoncement est une bonne nouvelle. Quasiment la moitié. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'il m'en manque encore beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Alors, je verrai bien. Cette province, pareil, j'ai revendiqué. Et ensuite, en fonction du niveau de développement, prendre le plus petit d'abord. On va s'arrêter là. Si vous voulez pas donner d'argent, vous ne donnerez pas beaucoup d'argent. C'est pas grave. Pas du tout. Hop. Ah, je peux pas tout légitimer, j'ai pas les points. Il reste plus que deux provinces à gagner à l'Afghanistan. Deux grosses provinces qui font qu'il demande encore 70% de score de guerre pour le manger. Impressionnant. Le suivant sur ma liste, a priori, c'est la Transoxiane. J'avais pas quelqu'un avant? Bahamani, c'est fini? Ah non, Bahamani, c'est dans 5 ans. Bon. J'avoue que j'ai pas du tout regardé en faisant la paix avec eux. Si par hasard, ça me collait encore plus de monde dans la Koa. Mali, Tombouctou, tout ça, je suis très loin d'eux. Mais ils prennent quand même beaucoup, beaucoup. Je sais pas trop comment ça gérer le système. C'est vrai que je suis pas si loin d'eux depuis que j'ai pris ces provinces-là. Mais Marrakech, par exemple, même le Mali, je suis super loin de l'attaquer. Contrairement à Kaffa, Viryanaga, avec qui j'ai une frontière commune. Kalinjar, les Oirats. Après, je fais de la colo par ici, donc. Alors lui, il a indépendance garantie par pas mal de monde. C'est vrai que je pourrais m'attaquer à Oirat, par exemple,
pour attirer la Moscovie, la Transoxiane, et les faire sortir de la quoi? De force. Tout en profitant pour me servir sur les provinces Oirat, qui sont beaucoup plus riches que ce que je croyais. Du 23, du 18, 14, 25. Je pensais que c'était des territoires très pauvres. Apparemment, pas que eux, ils sont alliés à Transoxiane et Caradel. Transoxiane n'est pas dans la guerre contre moi. Peut-être qu'on le mettra en co-belligérant la prochaine guerre contre la Transoxiane. Alors, le gouvernement doit se stabiliser. On ignore, on gagnera du prestige une autre fois. Alors, Siak, ils sont toujours pas sortis, alors qu'on a des très bonnes relations. Ah! Normalement, là, ils sortent. J'ai fait accepter. Non, je voulais pas. Bon, c'est pas grave. Il le retirera tout seul plus tard. Rival déclaré. Frise a annoncé que Autriche était son rival. Frise, le truc qui fait deux provinces là-haut, c'est ça. Ça vaut des très bonnes provinces. Ça m'impressionne. Je pourrais m'attaquer à l'Autriche sinon. Mais si jamais c'est pour mettre Venise dans la quoi, on va quand même éviter. Probablement que le Mamelouk fera plus une très grosse taille après l'attaque du Yémen. Et de Tougourt. Tougourt qui est dans la quoi, évidemment. Est-ce qu'on se fait pas quelques petites armées en plus? J'ai pas moyen d'en faire tellement plus que ça. Je dois m'arrêter maintenant. Je vous le mettrai probablement à la fin du prochain épisode de ce morceau de vidéo qui est un peu court. On verra dans le prochain épisode ce qu'on fait avec cette espèce de coalition mondiale excepté l'Europe et vraiment la Chine. Bon, c'est vraiment des secteurs coalisés tout entiers et des secteurs non coalisés tout entiers. On verra ça, on verra ça.